Nous sommes à Somme. Je salue les populations parce qu'aujourd'hui nous nous trouvons dans le quartier de Somme. Mes salutations également vont à l'endroit des journalistes et également des représentants de la presse ici présents. Aux camarades et membres du mouvement Yéoulen qui sont venus aujourd'hui répondre massivement donc à cette rencontre qui se fait à un moment opportun, nous le savons, pour évaluer la situation politique qui prévaut et qui est dominée aujourd'hui par les... S'il vous plaît, et vous parlez sous quelle casquette. Je représente donc le du mouvement Yéoulen qui organise aujourd'hui la conférence de presse. C'est Ndaye Ndoure, elle est là donc à côté de Moussa. Suivi également du président, du vice-président Tchanar Ndoye, qui est également le vice-président du mouvement Yéoulen. À ma gauche, à ma droite plutôt, vous avez Madjigen Sen, qui représente la secrétaire administrative donc, du mouvement Yéoulen. Et également, vous avez Moustapha Mbassandiaï, qui se trouve à l'extrémité, qui est chargé, donc qui représente aujourd'hui donc, les sages. Donc le mouvement a convoqué cette conférence de presse pour aborder un point essentiellement centré sur donc, une analyse de la situation politique et en particulier celle que nous vivons au sein du comité électoral donc de la commune de Thiès-Ouest. La communication également donc portera sur la gestion du comité électoral du Benno Bokou Yakar de la commune Thiès-Ouest, son mode de fonctionnement ou son dysfonctionnement. C'est ce qui explique aujourd'hui cet appel urgent pour expliquer aux populations la décision qui sera connue à la fin de la rencontre et que le mouvement a pris donc après concertation de l'ensemble de ses membres. Mais il y aura également une première communication qui fera l'inventaire du mouvement Yéoulen, qui est un mouvement dynamique, un nain certes dans l'espace public, politique et médiatique, mais également un géant dans son état et également dans son évolution. Ce sont donc ces deux thèmes énoncés qui, tout au long de la conférence de presse, constitueront pour l'essentiel le contenu de ma communication. Tout d'abord, je vais commencer par une présentation du mouvement, une présentation brève du mouvement Yéoulen, qui est une association qui regroupe aujourd'hui des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes âgées. Le président du mouvement, qui se trouve ici, à ma droite, Moussa Sagna, est un jeune entrepreneur, un Thiès-Ouest, qui cherche à sortir le pays des problèmes auxquels il est confronté. Les problèmes ne manquent pas, nous le savons très bien, mais osons aujourd'hui en parler. Osons en parler pour trouver et apporter les solutions idoines afin de rendre meilleure la gestion du cadre de vie et le cadre de vie par une politique de développement efficace comme celle que tente de valoriser le mouvement Yéoulen. Le mouvement œuvre dans le sens du développement social et de politique sociale. Le mouvement en appelle au sens du devoir et de la responsabilité des autorités. La dernière partie de notre communication sera centrée sur le comité électoral de Benno Bokou Yakar de la commune de Thiès-Ouest. Mais d'abord, il me faut signaler que le mouvement Yéoulen n'est pas un parti politique.
ni un mouvement politique. Encore une fois, le mouvement peut cependant emprunter la voie politique pour asseoir son idéologie, asseoir ses idées, asseoir également ses stratégies et parvenir à faire partie des Sénégalais qui fécondent des idées desquelles sortiront les solutions aux maux qui gangrènent notre société. Consulter et inviter à soutenir le comité électoral du Benno Bokouyaka de Thiès-Ouest. Le mouvement Yewulen a décidé de se retirer du dit comité du Benno parce que malheureusement la collaboration entre le mouvement et les structures dirigeantes des comités et pôles électoraux mis en place pour la campagne électorale en cours pose d'énormes problèmes. Il y a un véritable problème de gestion, il faut oser le dire. Et des frustrations sont exprimées et continuent d'être exprimées, ce qui explique qu'on a l'impression que Benno n'a pas commencé sa campagne électorale à Thiès-Ouest. Ça, nous tous, nous le constatons aujourd'hui. Jusqu'à présent, il n'y a aucune activité qui est menée par le comité électoral donc, du Benno Bokouyaka à Thiès-Ouest. Et pour ce, nous interpellons directement le président Macky Sall, qu'il soit informé des dysfonctionnements, des frustrations qui relèvent de l'amateurisme et non du professionnalisme, non du sens de l'organisation et qui explique le retrait de notre mouvement du comité électoral de Benno à Thiès-Ouest. De tels dysfonctionnements sont dus en premier lieu par le manque de transparence dans la gestion du comité. L'autre problème, me semble-t-il, est lié à une mauvaise considération de ceux à qui on a confié la direction ou bien les principaux rôles, vous m'excusez, au sein du comité électoral de Benno à Thiès-Ouest. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une mauvaise considération de ceux qu'ils considèrent, eux, comme des militants de la dernière heure ou bien des transhumants. Les membres du mouvement Yewulen ne sont ni les uns ni les autres. Et ça, il faut oser le dire. De ce à quoi les soi-disant partisans de la première heure essaient de barrer la route. C'est une incompréhension. Au niveau du comité électoral de Thiès-Ouest et du pôle électoral de Somme, nous le sentons et cela doit cesser pour qu'on puisse ensemble travailler de façon coordonnée et efficace. Je tiens à apporter le message du mouvement qui a décidé de se retirer du comité électoral, bien que son souhait serait de travailler avec le dit comité pour remporter facilement la victoire attendue au soir du 24 février. Ce n'est pas une question de partisans de première ou de dernière heure. Il s'agit d'un souci d'organisation et de transparence qui prévaut dans la gestion du groupe. La présence éphémère du mouvement aux côtés du Benno Bokouyaka dans la commune de Thiès-Ouest a permis d'observer et d'identifier ce qui pourrait expliquer les échecs antérieurs à Thiès lors des dernières élections législatives, particulièrement à Somme, et l'inefficacité de ces actions pour la campagne électorale en cours. La gestion du budget destiné à l'animation de la campagne en cours est douteuse. Seul moins de 40% du budget est distribué aux 11 pôles de la commune de Thiès-Ouest. On se demande où sont passés les 60%. Ce qui relève c'est 18 pôles. Donc, on se demande évidemment où sont passés les 60% du budget qui a été donc dégagé pour l'animation de la campagne dans la commune de Thiès-Ouest. Ce qui relève d'une gestion nébuleuse, révocable en doute et à dénoncer après l'avoir contesté sans gain de cause au sein du dit comité. Nous avons déjà fait la contestation au sein du dit comité et nous n'avons pas obtenu gain de cause. Non seulement le budget alloué au comité et pôles électoraux de Thiès-Ouest est très insignifiant, mais là aussi la gestion même dans les plus petites entités des fonds de campagne reçus a posé d'énormes problèmes. Ce que nous avons vécu et constaté au sein du Benno Bokouyaka de Thiès-Ouest et qui témoigne d'un manque de respect des directives de campagne du président de la République. Le mouvement Yewulen interpelle ainsi de nouveau directement le président de la République et l'informe
de ce qu'on pourrait appeler un coup d'État rampant, orchestré par ce qu'on pourrait appeler les trois mousquetaires à la tête du comité électoral de Thiès-Ouest. Et qui certainement se reconnaîtront à travers donc les médias, et qui font office de comité exécutif ou de comité plutôt de mousquetaires, qui se reconnaîtront certainement à travers la presse ici présente. Le mouvement Yéhoulène demande au président de la République de dépêcher une commission spéciale pour régler les problèmes qui gangrènent la collaboration et le fonctionnement normal, qui sont, il faut le souligner, des freins à la réussite de sa campagne électorale, mais aussi un obstacle à sa victoire au soir du 24 février 2019. Je vous remercie d'avoir parlé. Nous voulons un comité électoral. Mais si nous voulons un comité électoral pour nous appeler, fait que nous travaillons durant un peu de temps, bien avant le comité électoral de Ligue. Nous réunions chaque jour. Donc, si nous sommes dans le comité, nous avons réellement vu le sens de Ligue. Nous avons vu le sens de Ligue. Nous avons vu le sens de Ligue. Nous avons vu le pôle. Mais dans le mouvement Yéhoulène est retiré du comité électoral. Pour le comité électoral, nous avons nommé à part coordinatrice qui est là. Vice-président bi mu ngi ci mouvement bi démissionné na tay, secrétaire général du pôle bi mu ngi ci mouvement bi démissionné na tay, commission des jeunes du pôle bi mu ngi ci mouvement bi démissionné na tay, trésorier bi mu ngi ci mouvement bi démissionné na tay, commission des femmes du pôle benno bokku yaaka mu ngi ci biir mouvement bi démissionné na tay. Kon mun nañ le pôle som ben nit ta dess ci bureau ba muy coordinatrice bi. Lu jëm ci comité électoral bu mag bi, man ma yox commission de sécurité. Commission de sécurité, à part les 40% yi ñu jël distribuer ko aux gens, amul ben commission bu ñu jox responsabilité ci biir comité électoral communal bi. Personne, j'ai dit, amul ben commission la wax. Lepp trois mousquetaires ñokoy diriger. Quand je parle de trois mousquetaires nak, je parle des gens ñoo xamné dañ nommé bureau bi ba paré, coordinateur bi jité ñetti mousquetaires, ñaari mousquetaires, ben bi mom la. Il y a un autre qui est tout. Mais comme moi, c'est le coordinateur Demba Diouf, et il est le responsable de ce comité électoral, il a dénoncé que nous sommes en train de nous retirer. On interpelle le président de la République. Parce que si on fallait nous du comité électoral, nous avons un budget. Nous avons un budget. Pour voir qu'on est Thiès commune, si on est souvent, ce n'est pas grâce à la population de Thiès, mais c'est grâce à ce comité électoral qui est inexistant. Comité électoral, on est à une semaine des élections, à mon feuille de route. Comité, à mon comité électoral pour vous finir, comme nous avons dit. Quel est le matériel logistique, ça n'existe pas pour nous faire une campagne électorale. Et pourtant, la commune de Thiès-Ouest regroupe 30 à 40 000 électeurs presque. Et on n'a même pas de véhicule de logistique. Si tu es là pour une bottle, si tu es là pour une caravane, tu es là pour une caravane, le comité n'a pas été respecté. Donc nous, nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. Pour nous, nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. Nous sommes là pour nous. Comité électoral, nous sommes là pour nous. Alerte njiti rew mi njiti rew mi suñu tontu wul suba ñu jël suñu carte jox ko kenen. Donc on alerte le président de la République directement sur ce coup rampant. Té ñun duñ ko accepter ñun wa som. Et que dinañ leen sétane da xam ndax ñun ñoom mom fi wala ñoom ñoo fi mom. Parce qu'en montant le comité électoral, ñun wodé won nañ ko bañ yexé pour won leen liñ décision yi ñuy def bañ yexé dañ jël benen décision maguy. Mais pour voir les gens qui sont venus, je me suis levé en disant la salle sortait. Il a fallu nous négocier, la salle de Delsi, nous élire du bureau pour continuer à changer. On n'acceptera pas ça. Donc, je vais à partir de ça que Paul et Somme existaient une fois que tout le bureau, pour Paul, il faut démissionner, même des coordinatrices, parce que coordinatrices, c'est rien. Tout le reste venait de ce mouvement, le mouvement Yéhoulène. Donc l'ingé monte yep qui mouvement Yéhoulène le jogé. Donc le mouvement Yéhoulène se retire. Donc on dit au pôle et au secrétaire général, au coordinateur Demba Diouf de reformer encore. Mou défarat bok polisom
parce que police existait tout ci campagne ben no bokk yakar parce ni ko occupé won né nañ bay nañ donc lool dal mo nekkon sensi waxtan bi mo nekkon sensi but bi parce dañu bokk koñ bi ku nek di am noy doxé am ño xamné sax sen xol mu ngi fenen waye rouss nañ ñu rouss bo xamné ak teranga ñu sék mu ñu ko sax woné donc je libère tout le monde pour le moment be bañuy amat benen xibaar bu ñu waxtané ñun nak suñu tank demb mo nek suñu tank tay c'est un mouvement de développement dañuy continuer di liguey di tax ma gëna bëggu ñu gën ci comité électoral bu yu présidentiel bo xamné le mouvement yéwu len mo la ëpp budget que ça soit clair c'est que vous avez travaillé le mouvement yéwu len les femmes de mouvement yéwu len di ngeen duggal sen caisse mo ëpp le budget kon ñun amuñu fa soxla li tax amuñu fa soxla moy budget bañu joxe ñun li ñu yox moko gëna douf kon nak on préfère sax travailler pour nous même que travailler pour quelqu'un d'autre donc on remercie ce comité électoral et dire à Augustin Tine coordinateur départemental que def na tankam ci département bi jël élément yam tek ko ci commune bi mais ça ne va pas et ça ne va pas passer parce que les gens ne sont pas avec ces gens là ils sont avec le mouvement yéwulen ñew na fi barké demb je pense ils ont tout fait pour population bi genn mais j'ai refusé et j'ai pris la population ma rassembler sama buntu keur ils sont revenus pour me dire que fexel sa gaay ñoo fele mané ñi momu len duñu dem té comme somme ñun ñoko mom le ciel de benno bokk yaakaar a somme est là kuñ fi bëgg rassembler nañ rassembler sen car mais du nekk wa somme somme nak ñoko mom Yen bal mama yegali bañuma ñu rassembler sen siège parce ñom ñoo mom sen siège mais kuñ fa rassembler de président na xamné ay car lañu indi way du wa koñ bi wa somme ils sont derrière ce mouvement té à partir de demain on va vous montrer que votre siège n'a pas de militants de somme les militants qui sont là c'est des militants de mouvement yewulen ma len di djégalu di len balu di djégalu journaliste yépp ak di balu sénégalais di balu wa koñ bi parce biñ ñuy inviter benno lañ ñu waxon ak li ñu def d'abord ça fait deux des ministres nous ont reçu sous des promesses vous les femmes ba tax ngeen intégrer won invitation bob personne ne l'a respecté parmi ces ministres je citerai leur nom mais je vais pas taire leur nom pourquoi parce que je suis un musulman ben ñaar limay dundé joxuñumako ben bi cheikh kanté mo ñu recevoir dans son bureau on l'avait dit que ñun mouvement de développement lañ yo politique ñu ka leen dimbalé ma dimbalé leen ci sen développement defoko il n'a pas tenu langue benen bi c'est Aline Sarr qui nous envoie son chef de cabinet dans mon bureau on discute je l'ai dit que man on me reçoit pas seul parce que c'est un mouvement de développement Aline Sarr vient nous recevoir avec tout le bureau tout ce qu'il a ministre du commerce ñëwaat recevoir nous avec tout le bureau lam waxoni ci jigéen ñi ñëpp respecté wu ci dara ñu invité ñu ci comité électoral le coordinateur Demba Diouf n'a pas tenu même chose parole donc ñu gis nekkon ñun benno bokk yaakaar a Thiès coalition deugal comité électoral bi nekk Thiès on se retire totalement de ce comité électoral ba bañuy am nouvel ordre légui bép ko militant du mouvement yéwu len dëkk ci somme je vous conseille de continuer votre travail sur le mouvement de continuer vos activités sur le mouvement mais tout ce qui est politique attendez le mot d'ordre pour les proximités qui nous concernent wa pour doxantou bi nga xamné nit ñi war nañ ko def di dugg ci kër yi suñu yexé suñu koñ nañ leen wonné fi suñu koñ la soxla wuñ ñu def proximité sans and ak suñu responsable donc kër guñu dugg dinañ leen wor suñu bop bañ xamné fi amuñu fi solo on n'est pas contre le président de la république on n'est pas contre lui mais on est plus pour lui donc on est neutre dañ taxaw suñu tank andatu ñok kenn parce xamuñu won politique ñu invité ñu ci ba paré bu ñu duggal ci ñu xamul comme dañu né nak mouvement yéwu len dañ né won duñ nax kenn mais kenn duñu nax donc ma ngi len di djégalu tay arrêté conférence de presse bi fi yaakar na né nit ñi dégg nañ wax ji yaakar na né koñ bi suñu joggé fi ñëpp dinañ respecté mo d'ordre bi ngeen may contane nak ci sen téw di len remercier ci confiance bi ngeen ma jox ci déggal bi ngeen ma jox
de permettre ma dougu ci salle bo xamné ay nit dañ fay xëccio ma yëkëti sama loxo ne jog leen ñëpp ñëpp mëna jog donc lool woné na fidélité biñ am entre nous démocratie bi am entre nous ak transparence bi am entre nous donc je remercie tout le mouvement remercier wa koñ ties yëpp remercier wa som yëpp remercier wa ties ouest yëpp donc ñen bal ma suma djoumé cadeau dafa xawa nakari et je ne suis pas un professionnel à la matière donc